Bonjour à vous tous et à vous toutes. Juste un petit rappel encore de faux mails qui circulent au nom d'Amazon, Cdiscount, etc. De faux sondages, donc bien sûr avec des noms usurpés dans, de boutiques. Donc là, en cliquant sur le lien, ben, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voici donc où nous fait tomber le lien. Donc le lien cliquable reçu par le mail, le faux mail. Donc sur une enquête bidon au nom usurpé d'Amazon. Donc on va aller vite fait répondre à leur petite enquête. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on me dit que j'ai gagné un téléphone, ou une tablette, ou un iPad, etc. Donc juste les frais de port à payer. On va prendre au hasard. Hop. Et donc là, comme d'habitude, là, on vous demande de faire un petit choix dans les couleurs, d'entrer votre nom, prénom, adresse, etc. En payant seulement 3 euros. Bien sûr, ce qui dit payer 3 euros, bah, il va falloir rentrer la carte bancaire. Bon, ça, je ne vous montre pas, mais c'est sur une autre page. On vous rentrez toutes vos infos de carte bancaire. Seulement, bah, ce que beaucoup de personnes oublient de faire en pensant avoir gagné et payé juste 3 euros pour un iPad, c'est de regarder bah, ici, par exemple. Donc, en fait, les conditions conformes à la législation européenne. Socks on Click est un produit basé sur un abonnement qui sera reconduit au prix de 48,99 € par mois. Voilà. Et donc, c'est même aussi noté normalement ici combien cela vous coûte-t-il. Alors là, c'est plus les frais de port hein, que vous payez pour les 3 euros, c'est un paiement initial pour un abonnement d'essai de 5 jours qui, donc, après vous coûtera 48,99 € qui seront prélevés grâce à votre numéro de carte bancaire que vous aurez rentré pour payer les 3 euros. Voilà donc la arnaque, toujours encore, et encore, pardon, une arnaque à l'abonnement caché. Donc méfiez-vous de ces faux gains, de ces gains trop faciles et de ces faux sondages qui peuvent être au nom d'Amazon, mais c'est Cdiscount, etc., etc. Voilà, merci à vous et à bientôt.